Bien, et bah écoutez, après David Stéphan que nous venons d'accueillir sur cette scène du Théâtre Forain, mais écoutez, voilà, on va accueillir maintenant un autre artiste. Alors, il s'agit d'un artiste qui vit dans les Yvelines. Il chante depuis qu'il est très jeune. Il s'est inscrit sur un site participatif qui s'appelle Aka Music et qui produit de jeunes artistes. Et depuis février, ses titres marchent bien. Il s'agit de Romain Vissel. On accueille chaleureusement Romain Vissel, messieurs dames. Ça commence, nous vivions de toi, l'envie d'une heure.
Des chansons d'amour, voilà. Tu t'accompagnes à la guitare de temps en temps. De temps en temps, ouais. Ouais, et puis avec d'autres musiciens aussi. Avec d'autres musiciens d'ailleurs. Déjà complet là quand même. Voilà. Super, on verra peut-être tout à l'heure, peut-être. J'espère aussi. Est-ce que tu as une petite anecdote comme ça entre nous sur une scène que tu as faite ces temps-ci, un petit truc croustillant qu'on peut découvrir, quoi, voilà, quelque chose comme ça. Bah, j'ai pas fait énormément de scènes depuis que je chante, malheureusement. Ouais. C'est pour karaoké. T'as chanté il y a pas longtemps devant un casino, je crois, non, c'est pas ça? Non, attends, j'avais un groupe de musiciens, et donc on s'était produit sur
une scène à Vernouillet. Voilà, c'est ça. Alors, voilà. C'était ça. C'était une très belle expérience, c'était un très beau concert. D'ailleurs, Michel était là avec. Enfin, Michel était là, donc c'était vraiment très très bien. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était en extérieur ? C'était en extérieur, oui. D'accord, il faisait beau, j'espère. Il faisait beau, il faisait nuit. Il faisait nuit, oh là là. De la lumière, j'espère. Un peu de lumière, bien entendu. Ok, on peut encore, s'il vous plaît, messieurs dames, applaudir Romain Bisset. Merci. Romain, si tu veux bien tout à l'heure, je vais en ressentir un deuxième par contre. Génial. Avec le musicien. On verra. Merci. À tout à l'heure, Romain, merci à toi. Merci. Je rappelle à tous nos auditeurs de Vague FM, Françoise. Oui, sur internet www.radiovague.com. www.radiovague.com, tout à fait, sur le 90.2. Et le concert est gratuit, porte ouverte. Vous pouvez venir chez vous. Vous avez un petit temps à consacrer aux artistes. Et bien, vous passez dans ce théâtre de l'Arfort. Hein. Voilà, et voilà. Un théâtre très chaleureux, très confortable. Vous êtes bien installé ? Oui, oui. Très bien. Merci, Françoise. Il est temps d'accueillir maintenant. Alors, c'est la seule femme. La seule femme, voilà. La seule femme, mais quelle femme, Françoise, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est une chanteuse qui est très connue dans la région. Elle chante en région Centre-Orléans, du côté d'Olivet. Elle a aussi fait la fête de la musique avec Magali Vahé et Tiad l'an dernier en 2010. D'accord. Voilà. Et elle est allée sur Radio Vague, on l'a entendu sur Radio Vague aussi en septembre. En septembre, hein, ouais. Voilà, tout à fait. Elle passe régulièrement dans l'émission de Michel Le Tropico sur Radio Vague, le samedi matin de 9h à midi. Eh bien, on va l'accueillir. Voilà, il s'agit de Lizzie Cazot, messieurs dames.